Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à l'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie. Merci d'être venu vous joindre à nous. Nous débutons ce soir un cycle de 3 conférences qu'on a appelées « Des robots en milieu extrême » et qui s'inscrit dans la thématique du semestre que vous avez peut-être vu, « La nature sous artifice ». Donc vous retrouverez nos programmes à la sortie de l'auditorium et sur Internet, n'hésitez pas. Certains m'ont parlé d'inscription, il y a certaines séances où il faut s'inscrire, donc il faut que vous alliez voir sur notre site pour s'inscrire directement. Ce cycle de conférences sur les robots en milieu extrême fait également écho à l'exposition qui va ouvrir en avril à l'étage 1 de la Cité des sciences et de l'industrie qui s'appellera Bio-Inspiré. Donc je vous invite à venir la voir. Au cours de ce cycle, nous allons découvrir ensemble 3 chercheurs et 3 robots. Des robots intégrés à la nature, des robots inspirés de la nature. Ce soir, on voyagera au pôle sud. Jeudi prochain, nous voyagerons sur la Lune. Et jeudi 12 mars, nous voyagerons dans le désert. Donc j'espère que vous nous suivrez sur ces 3 séances. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Yvon Lemao. Bienvenue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg et au Centre scientifique de Monaco. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis près de 15 ans et vous étudiez notamment comment font les manchots pour s'adapter aux conditions climatiques, au changement des conditions climatiques dans leur environnement. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais vous demander comment la robotique intervient dans ce travail de recherche. Je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir. Mais tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est qu'approcher des robots pour étudier les manchots est apparu assez farfelu au départ. Pas vraiment pris au sérieux et avec une énorme difficulté pour trouver le financement correspondant. Même des collègues disaient... c'est une lubie de pré-retraités, ça ne marchera jamais. Et il a fallu finalement un financement de la Fondation Total qui finance le risque. C'est une des rares fondations pour qu'on puisse lancer ce travail. Alors je vais évidemment commencer par vous dire pourquoi développer des robots, puisque ça paraît si farfelu, pour l'étude des animaux, d'animaux aussi symboles du froid que peut l'être le manchot empereur. En fait, je ne vois pas pourquoi, d'abord, en principe, pourquoi la robotique, tel ce robot qui est destiné par la NASA et qui va être... qui doit être lancé probablement le mois prochain, si le calendrier est respecté, pour la recherche de molécules sur Mars. Je ne vois pas pourquoi on développerait des robots pour étudier d'autres planètes et pas pour étudier la nôtre, et notamment notre biodiversité animale. L'utilisation de capteurs, elle n'est pas nouvelle chez les manchots. Et aujourd'hui, on fait des choses vraiment extraordinaires. Et là, je vous ai résumé une approche qui s'appelle celle du biologging. Le biologging, c'est l'utilisation de la microélectronique, de la microinformatique à travers des appareils ultra miniaturisés dont on équipe les animaux. Et ces appareils vont nous permettre d'avoir des informations sur leur comportement ou même sur leur milieu naturel, c'est-à-dire que les animaux qui vont évoluer dans des régions difficilement accessibles, ça va être par exemple un phoque en Antarctique qui va plonger à 1000 mètres de profondeur, il va nous ramener des informations sur les conditions de salinité, de température, éventuellement sous la banquise à 1000 mètres de profondeur. C'est une discipline en plein développement. Alors là, je vous ai montré ce qu'on fait notamment avec ce qu'on appelle des accéléromètres. C'est-à-dire que ça mesure l'accélérométrie. C'est de l'accélérométrie dans 3 dimensions. Avec ici, en haut, vous avez les... Je ne sais pas si on voit mon petit point rouge. Les données brutes. Et selon que l'on... On fait des filtrations,
pour discerner l'évolution des paramètres en ayant des composants de basse fréquence ou de haute fréquence, on va avoir donc des informations qui vont nous permettre, en les validant par des observations de comportement, que savoir que l'animal était en plongée, qu'il accélérait. On peut savoir, grâce à des capteurs qui vont nous donner la profondeur, si l'animal, par exemple, quelle est sa stratégie, comment va-t-il attraper un poisson, puisqu'il se nourrit de poissons ou de crustacés, de krill. Est-ce qu'il va, par exemple, aborder par-dessus, par-dessous, accélérer, tourner. On arrive à reconstituer ce que fait un manchot qui est parfois parti à 400 ou 500 km du biologiste. Donc c'est un développement extraordinaire. Vous allez me dire pourquoi les robots? Je vais y venir, mais on n'utilise pas seulement la microélectronique. Et là, je fais toujours référence au robot qui va être envoyé pour rechercher des molécules éventuelles de vie sur Mars, biologique, on a aussi découvert des molécules chez les manchots. Et par exemple, il y a quelques années, nous avons découvert cette molécule qui est une molécule antimicrobienne que les manchots produisent dans leur estomac et qui va leur permettre de conserver, par son activité antimicrobienne, qui va leur permettre de conserver du poisson, par exemple, pendant 3 ou 4 semaines, bien que la température de leur estomac soit aussi élevée que 37 degrés. Avez-vous déjà essayé de conserver du poisson à 37 degrés? En quelques heures, ça deviendrait un véritable poison. Ça tuerait l'animal qui a ramené cette nourriture pour nourrir ce poussin. Et par exemple, enfin, l'occasion dans laquelle on a découvert cette molécule, c'est qu'elle explique au moins en partie, il y a peut-être d'autres molécules que nous ignorons, elle permet d'expliquer pourquoi manchot royal, à la fin de l'incubation, est capable de nourrir le poussin à l'éclosion si la femelle, qui normalement revient à ce moment-là, n'est pas revenue à temps. Donc c'est une adaptation, un mécanisme physiologique. Mais cette molécule, on l'a identifiée, on a déterminé la structure, et puis on a pu la tester, et on a montré, par exemple, qu'elle est très efficace sur des molécules, des maladies nosocomiales, comme le staphylocoque doré ou le Aspergillus fumigatus, qui est un champignon pathogène à l'origine de l'aspergillose. Ce sont les deux principales maladies nosocomiales. Donc vous voyez qu'en étudiant des animaux en milieu naturel, on ne va pas seulement comprendre quelles sont les adaptations leur permettant de faire face à des conditions extrêmes, comme par exemple le manchot qui est revenu pour assurer, je reviens à ce père qui assurait l'incubation, il est revenu pour assurer la dernière partie de l'incubation, la femelle est partie en mer chercher des aliments, elle va en ramener dans son estomac, mais si elle n'est pas là, donc le mâle, grâce à cette conservation de nourriture qu'il a ramenée à ce moment-là, peut assurer la survie du poussin. Magnifique adaptation, un intérêt biomédical. Mais je reviens à notre... à la structure de mon exposé, partie de, finalement, du robot de Mars. On cherchait une analogie. Je vous montre qu'il y a aussi des molécules intéressantes. Il n'y a pas seulement celles qui éventuellement permettent de retracer s'il y a eu de la vie sur Mars. Voilà l'intérêt d'étudier aussi les animaux soumis à des conditions extrêmes sur notre planète. Donc je vous emmène dans ces régions où vivent ces animaux pour vous amener au questionnement qui m'a amené à développer des robots. Donc on va dans l'hémisphère sud et nous travaillons à deux endroits. D'abord, la Terre Adélie. La Terre Adélie se trouve au sud de l'Australie, plus exactement de la Tasmanie. Donc pour y aller, on prend en général le navire, mais on peut y aller par avion à partir de la Nouvelle-Zélande également. C'est l'Astrolabe, le navire qui permet
d'amener le personnel des expéditions polaires françaises, puisque ce travail dont je vais vous parler est fait dans le cadre des programmes de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. Nous avons une base, je viens de vous le dire, en Terre Adélie. C'est l'endroit où se trouve le Manchot Empereur. Et puis, nous avons aussi d'autres bases dans les terres australes. C'est le petit carré ici, en haut, au milieu de l'image, à gauche. Là, nous sommes dans les terres australes françaises, et plus précisément pour ces études sur l'île de la Possession de l'archipel de Crozet. L'archipel de Crozet, c'est les Galapagos françaises. 25 millions d'oiseaux de mer, les trois quarts de la population mondiale de manchots royaux. Et on va donc commencer, vous allez voir dans mon exposé, par le manchot royal et vous allez comprendre pourquoi on commence par cette espèce. Donc, le manchot royal, il vit à proximité de la mer. Il est, vous avez vu sur l'image précédente, il est au milieu d'un immense océan austral et il va chercher sa nourriture à 300, entre 300 et 600 kilomètres en mer. Mais encore une fois, en l'équipant avec des appareils miniaturisés, des logueurs, on peut reconstituer tout le trajet, ce qu'il fait. Alors qu'au début des années 70, quand j'ai démarré dans ces études, c'est une approche dont on ne pouvait que rêver. C'est tout l'avènement dont vous avez été témoin par le développement des smartphones, tous les appareils, IFI, microélectronique, micro-informatique, qui ont permis cette avancée. Alors vous allez me dire, mais dans quel contexte, je reviens sur tout à l'heure ce que je vous ai dit à propos du mal, dans quel contexte, donc pour que ce soit bien clair dans votre esprit, le mâle assure, en haut, il assure les trois dernières semaines de l'incubation. Pour cela, donc, il va jeûner trois semaines, alors qu'il a mis déjà 15 à 20 jours pour arriver. Donc, ça veut dire qu'il a ramené de la nourriture dans son estomac et que cette nourriture, il va la régurgiter si la femelle est retardée par les conditions climatiques. S'il est amené à aller beaucoup plus loin dû à un réchauffement qui peut partir du Pacifique avec le phénomène El Niño, qui va se déplacer dans l'océan austral et éloigner la zone dans laquelle elle va chercher des poissons pour les ramener, pour nourrir le poussin à l'éclosion. Par contre, si elle revient à temps, il n'y a pas de problème. Elle nourrit le poussin à l'éclosion et le mâle part. Par contre, si elle est en retard, nous avons démontré que, par ce travail là, qui avait fait la couverture de Nature, que le manchot royal est capable de nourrir le poussin à l'éclosion. Et vous voyez ici, par exemple, l'action de cette molécule en bas sur des spores de ce champignon pathogène. L'addition de ce peptide, cette petite protéine, permet de supprimer les spores. Alors, pour ce type d'études, donc je reste toujours dans le cheminement de mes idées pour vous amener à pourquoi utiliser un robot, ça me paraît essentiel. Comment fait-on pour reconnaître un individu? Parce que, par exemple, là, en haut, vous voyez cette image, peptide de manchot, c'est son augmentation dans l'estomac sans perturber les animaux. La partie la plus difficile de cette étude, c'était d'arriver à prélever des échantillons de l'estomac de l'animal sans interrompre l'incubation. Et tout à l'heure, si on a un peu de temps, si vous avez des questions, je peux vous expliquer comment on fait. Mais c'est la partie de très loin la plus délicate. Parce qu'il s'agit de prélever du contenu stomacal aux différents moments de l'incubation. Mais encore une fois, il faut retrouver l'animal, il faut l'identifier. Et c'est la base de toute étude. J'ai pris cet exemple parce qu'il fait
Il assure une connexion avec l'appareil envoyé sur Mars pour rechercher des molécules biologiques. Mais pour toute étude, on a besoin d'identifier et donc de localiser l'animal qui est l'objet de l'étude lorsque cette étude correspond à un suivi. Alors classiquement, pendant très longtemps, on a utilisé des bagues à l'aileron. On est pionniers des études et quand je suis arrivé en Antarctique pour la première fois, en 1971, on m'a montré une zone qui était la zone d'étude où les manchots étaient bagués à l'aileron. Alors ceux qui ont été les pionniers de ces études, donc il y a plus de 60-70 ans, disaient c'est formidable parce que comme on peut mettre une bague à l'aileron de l'animal, on n'aura pas à faire comme on fait pour les oiseaux de nos jardins, les mésanges, vous savez, on met une bague à la patte pour l'identifier, mais il faut attraper l'animal. Il faut le capturer chaque fois que... Donc on va mettre des filets dits japonais, pour capturer les oiseaux, donc avec le stress de capture. Et à l'époque, les pionniers de ces études sur les manchots ont dit « formidable ». Grâce à ces ailerons, parce qu'on ne peut pas mettre en plus de bagues sur leurs pattes en raison de l'anatomie de leurs pattes, ça les blesserait. Donc, formidable, on évitera d'avoir à les capturer. On n'a même pas besoin de les approcher très près. À distance, avec une paire de jumelles, on pourra lire le numéro et donc les localiser. Mais vous voyez, quand je suis arrivé en Terre Adélie, donc en cette fin de l'année 1971, où Paul et Émile Victor étaient encore aux manettes de l'Institut polaire, je me suis posé la question très sérieusement, quel est l'impact de ces bagues? Parce que ce qui m'a frappé, c'est que les colonies de manchots d'études, les colonies d'études, étaient beaucoup moins bien remplies que celles des animaux non bagués. Est-ce que c'était la perturbation liée à l'intervention humaine, ou était-ce lié aux bagues? Et on ne pouvait pas répondre à l'époque. On s'inquiétait parce qu'on avait remarqué quand même que lors de la mue, l'aileron gonfle au cours de la mue. Ça blessait certains individus. Mais je me suis posé la question à ce moment-là. Il a fallu attendre quand même de nombreuses années. En fait, jusqu'à un jour de, je crois, 1990, 89 ou 90, et je n'hésite pas à citer mes sources scientifiques, je venais de parler avec l'un des hivernants revenant de Crozet, hein, des jeunes qui venaient de passer une année, et quand même, c'est dommage qu'on n'ait pas un moyen automatique permettant de les identifier sans les perturber, en étant sûr qu'on ne les perturbe pas. C'était du rêve. Mais le soir, en rentrant à la maison, je tombe sur un journal, un magazine de télévision qui annonçait une innovation qui pourrait permettre de marquer des animaux rares. Voilà, il n'y avait pas plus que cette information, des puces électroniques développées dans le cadre de programmes européens. L'identification par radiofréquence. L'identification par radiofréquence, le principe, vous voyez, c'est une capsule en verre, très petite. Alors pourquoi c'est ultra miniaturisé? C'est parce qu'il n'y a pas de batterie. Ce qui prend du poids aujourd'hui dans l'électronique, c'est la batterie. Quand on utilise un appareil pour enregistrer des données sur un manchot qui part en mer, c'est le poids des batteries ou un phoque. C'est une partie énorme de l'instrument. On dit communément une puce, cette étiquette électronique, en fait, c'est une ampoule de verre qui ne pèse pas 1 gramme, 0,8 gramme. Donc, qui peut être implantée sous la peau de l'animal avec un pistolet du type, finalement, de ceux qu'on utilise pour les vaccinations. Le transpondeur, on appelle ça un transpondeur. Alors pourquoi un transpondeur? Parce que comme il n'y a pas de batterie,
l'ampoule, l'étiquette électronique ne va pas envoyer un message en permanence, mais uniquement lorsqu'elle est approchée par un champ magnétique. Ce champ magnétique, il ne peut pas être élevé, bien sûr. Il est transitoire, vous l'avez compris, puisque c'est au moment d'une lecture. Alors l'inconvénient de ce système, c'est formidable parce qu'on n'a pas à rattraper l'animal au cours de sa vie pour changer une batterie. Le stress serait terrible. Mais il faut, et c'est la limitation majeure, approcher le lecteur, l'antenne, qui va produire ce champ électromagnétique et qui est muni d'un système de lecture relativement près de l'animal. Alors aujourd'hui, c'est devenu banal, puisque c'est utilisé sur les chats et les chiens. Et nous avons une distance de lecture de 50 cm, mais le vétérinaire qui a marqué un chat ou un chien, un animal de compagnie, doit approcher pratiquement contre la peau à quelques centimètres, parce que ce sont des étiquettes électroniques beaucoup plus petites que les nôtres. Mais les nôtres, en tout cas, 0,8 g, c'est implanté sous la peau. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça a révolutionné l'étude des manchots. Et d'ailleurs, nous avons été les premiers à étudier des animaux dans leur naturel. Parce que quand nous avons réussi à identifier, après l'article du magazine de télévision, quelle était la société qui avait développé cette technique, elle n'était pas encore commercialisée à l'époque et nous avons eu un partenariat avant commercialisation. Ça avait été développé pour les animaux de ferme, pour les porcs, pour éviter qu'ils mangent trop. C'est-à-dire que quand le porc qui avait déjà mangé ce qu'il devait manger parce que la nourriture était pesée s'approchait de la mangeoire, théoriquement, la mangeoire se fermait. Bon, c'était plus compliqué que ça parce que le porc est un animal intelligent. Mais il prenait tout simplement, il attrapait les porcelets qui, eux, n'avaient pas la fermeture. Il les mettait devant la mangeoire qui s'ouvrait, puis il rejetait les porcelets. Mais donc, nous avons été les premiers, alors que ce n'était pas commercialisé, à développer cette technique dans la nature. Alors, comme il y a cette contrainte de distance de lecture, ce que nous avons fait, c'est de mettre des antennes qui sont schématisées ici dans le sol. Comme cela, on est à moins de 50 cm en mettant le transpondeur, l'étiquette électronique, vous voyez, relativement bas dans le corps pour avoir une distance aussi courte que possible. Ça nous a permis de suivre les allées et venues des manchots et là, à une échelle qui n'était plus celle des quelques centaines de manchots bagués, mais à l'échelle d'une population. Par exemple, Céline Le Boeck, qui m'a succédé dans la responsabilité de ce programme polaire, suit actuellement environ 8 000 ou 8 ou 9 000 manchots empereurs. On est vraiment à l'échelle d'une population. Et donc, par leurs allées et venues, on peut connaître leur survie parce qu'il se trouve que ces animaux reviennent dans leur colonie d'origine pour la plupart. Donc, ça a vraiment révolutionné et ça a permis de déterminer ce que j'imaginais être la perturbation. Et un chercheur anglais qui s'appelle Rory Wilson, qui a beaucoup travaillé aussi, qui s'était préoccupé de la perturbation éventuellement apportée par la bague, mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où on avait la RFID, on pouvait avoir des individus ayant ou non la bague et déterminer l'effet de la bague. Alors, la RFID, la radiofréquence, elle ne permet pas seulement de suivre des animaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait, évidemment? Là, on met ces antennes à l'entrée-sortie d'une colonie, ce qui fait qu'on a les allées-venues des animaux. Mais ça permet aussi de les peser, puisque à partir du moment où on a une identification qui peut être automatisée, il suffit de mettre ce système de lecture sur des passerelles de pesée
et on a à la fois le poids et l'identité de l'individu. Et c'est ce qu'on a fait pour les manchots à Delhi, en terre à Delhi. Alors au départ, on avait même installé deux passerelles parce que pour éviter qu'ils se retrouvent face à face. On s'est rendu compte qu'ils passaient à l'endroit qui était le plus large. Donc en positionnant les passerelles, vous voyez par exemple là, ils vont directement sur la passerelle de gauche et ils respectent bien ce sens de passage qui nous évite la complication de manchots se trouvant. Alors ça permet quoi? Ça permet par exemple d'avoir la différence de poids entre le départ de la colonie et le retour et ainsi un indice de la quantité de réserves accumulées en mer, donc de nourriture en mer, en fonction des conditions climatiques. Ça change complètement nos possibilités d'études. Alors, je vais vous montrer un passage. Donc, cet individu, c'était... Là, je vais vous montrer des individus qui passent pour la première fois. Celui-ci, prudent, mais il est passé sans trop de difficultés. Alors, celui-là, il a décidé de passer d'un seul coup, parce que c'est nouveau. Mais je peux vous dire que maintenant, il passe sans aucun problème. Alors ça permet d'avoir des courbes et donc de... Ce qu'on a fait aussi, c'est de séparer la pesée en plusieurs plateaux pour éviter que deux individus qui se suivent sur la passerelle de pesée compliquent la lecture des poids. Alors revenons maintenant au suivi pour arriver, et c'est là que l'on va arriver progressivement au questionnement justifiant l'utilisation de robots. Voici la colonie d'études de la baie du Marin à Crozet. La base est tout à fait en haut, ici. Donc nous avons sur la plage cette grande colonie de manchots royaux avec, évidemment, il faut du carburant pour la base, mais il y a aussi des laboratoires. Et donc nous avons fait en sorte que toute cette zone, en utilisant la configuration des lieux, nous avons pu mettre en place trois passages. Donc toute cette zone de la colonie passe par cette... On est sûr que les individus qui sont dans cette zone utilisent l'un de ces trois passages. Ça nous permet de suivre leur devenir. Et ça nous a permis également de déterminer l'impact des bagues. Donc, une bague à l'aileron, on a montré qu'elle induit des séjours en mer beaucoup plus longs, un retard pour se reproduire, un plus faible engagement dans la reproduction et une diminution de 41% du succès reproducteur. C'est lié à la gêne hydrodynamique créée par la bague. Donc, quand je m'étais posé la question 20 ans plus tôt, là, ça a été même publié en 2011, donc 30 ans plus tôt, quand je m'étais posé la question, en fait, eh bien, une bonne partie de l'explication à ce rétrécissement progressif des colonies d'études était liée à l'impact des bagues en mer, parce que ça diminue... ça introduit une gêne hydrodynamique au déplacement dans l'eau. Et ça diminue également de 16% de la survie des adultes. Donc ce travail-là, il était fait sur 10 ans. Et une diminution de 50% de la survie du poussin à 3 ans. Donc vous voyez un impact énorme. Absolument gigantesque. Alors l'intérêt de cela, c'est qu'on peut éviter cet impact des bagues grâce à la radiofréquence. Et donc, avec Céline Le Boeck, on a publié un travail comme celui-ci, par exemple. C'est l'un des travaux publiés avec cette technique, qui nous montre la diminution de la survie des manchots royaux. Vous le voyez, pour une augmentation de la température de la mer qui est seulement de 0,3%, 0,3 degrés. Celsius, pardon, 0,3 degrés Celsius. 3 dixièmes de degré de réchauffement de la mer suffisent à baisser de 10% la survie des manchots. Or,
tous les scénarios de nos collègues climatologues prédisent des changements de température beaucoup plus importants que celui-ci. Mais revenons à notre cheminement. Ce dont je rêvais, c'est de ne pas seulement suivre le devenir, donc la survie, le succès reproducteur, grâce à ces antennes placées à l'entrée des colonies. Ce dont je rêvais, c'est que l'on soit capable de déterminer où se trouvent les individus en fonction de leur histoire, parce que maintenant, nous les suivons depuis de nombreuses années. Donc nous savons que certains sont très performants, d'autres moins. Nous avons des individus extrêmement expérimentés, d'autres qui sont des jeunes inexpérimentés, j'allais utiliser un mot un peu plus cru. Et donc, on pourrait rentrer dans la compréhension de la structure d'une colonie, comment elle fonctionne, si on était capable d'aller déterminer l'identité et la localisation des individus en fonction de leur histoire au milieu de cette colonie de manchots royaux. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'utiliser des petits robots. Alors ce premier petit robot, il répondait à un objectif. Il ne suffit pas d'utiliser un robot, encore fallait-il montrer que ce robot permet d'éviter la perturbation apportée par l'homme. Sinon, aucun intérêt. Et c'est effectivement ce que j'ignorais la première fois qu'on a envoyé un robot dans la colonie. Vous voyez ici, c'est une idée d'un autre de mes collègues qui s'appelle René Rocola. Voici ces montres que l'on utilise pour le jogging qui permettent d'enregistrer la fréquence cardiaque, l'émetteur se trouvant sur le dos ici, avec les électrodes pour la mesure, comme on peut le faire chez l'homme. Pourquoi cela? Eh bien parce que il n'est évidemment pas possible de déterminer les hormones de stress. Vous imaginez bien que le temps que vous mettez, et ça je l'ai montré sur d'autres animaux, le temps que vous mettez à commencer le prélèvement de sang, les hormones de stress sont déjà terriblement augmentées. Et vous perturbez évidemment le comportement de l'animal. Vous ne savez plus quel est l'effet du robot ou autre. Donc, la fréquence cardiaque est un très très bon indice du stress. C'est plus facile pour un animal dans son milieu naturel. Alors, qu'avons-nous trouvé? Vous avez ici, en haut, en violet, l'évolution de la fréquence cardiaque après une approche extrêmement rapide. Vous voyez, c'est en quelques minutes, on s'approche et on s'immobilise. Ou bien, on approche le robot et on l'immobilise. Ce que nous avons découvert, c'est que l'augmentation ici de la fréquence cardiaque lors de cette approche par le robot est du même ordre de grandeur que celle occasionnée par un manchot royal circulant dans la colonie en transit, parce que vous avez des couveurs, mais vous avez aussi des individus en transit. Et le passage crée la même augmentation de la fréquence cardiaque. Dès que le robot s'arrête, cesse d'approcher, il est complètement oublié par les couveurs. Ce qui nous ouvre toute une voie, on peut imaginer amener des instruments scientifiques avec un robot, l'immobiliser, par exemple, étudier les vocalisations, vous voyez, toutes les possibilités offertes sur un individu identifié que l'on suit. Bah, par exemple, cet individu, on va le suivre d'année en année et on va rechercher si la structure de son champ est toujours la même. Ça nous ouvre tout un champ d'études. Par contre, si vous regardez l'augmentation de la fréquence avec l'homme, il y a de toute évidence une composante de stress qui s'ajoute à celle correspondant au passage d'un animal dans la colonie. Alors pourquoi
d'abord vous poser la question, mais pourquoi le passage d'un individu crée cette augmentation en bas lors du passage de robot, aussi bien que pour le passage d'un individu dans la colonie? Eh bien, c'est tout simplement parce que le manchot royal est une espèce territoriale. La plupart des animaux ont un comportement de défense territoriale lorsqu'ils se reproduisent. Une mésange dans nos jardins, puisque j'avais pris l'exemple de la mésange, va défendre, ne pas hésiter à défendre son nid vis-à-vis d'une pie ou d'un corbeau s'approchant à proximité. Quelques exceptions seulement dans le monde animal, on en verra une tout à l'heure. L'une des exceptions, c'est par exemple des chauves-souris qui vivent dans des grottes froides. On va voir, il y en a une autre parmi les manchots. Et on comprendra pourquoi. Mais le manchot royal, il correspond à la règle générale, il défend son territoire. Et donc cette augmentation qui est comparable en bas lorsque le robot est approché par le couveur est approché par le robot, ou bien que passe à proximité en transit un animal dans la colonie, il correspond tout simplement au fait que l'animal, il donne des coups de bec et des coups d'aileron pour défendre son territoire. 16% d'augmentation de la fréquence cardiaque. Par contre, cette augmentation, elle est beaucoup plus grande en présence de l'homme. Et qui plus est, vous voyez que même en présence, même lorsque l'homme s'est immobilisé, contrairement à ce qui se passe en une ou deux minutes avec le robot, que le couveur oublie, les couveurs, c'est une moyenne de couveurs bien sûr, les couveurs n'ont qu'une diminution progressive de la fréquence cardiaque. Elle reste élevée pendant toute la présence de l'homme qui est symbolisée, vous voyez, par ce carré violet. Et ensuite, il faut même un certain temps pour qu'on retourne à la fréquence initiale. Eh bien, c'est tout simplement qu'en présence de l'homme, les manchots reculent dans la colonie. Ils ont leur œuf sur les pattes. Et vous voyez, finalement, même avec un homme parfaitement immobile, ça s'est fait autrefois pour l'étude, par exemple, avec un magnétophone pour étudier les vocalisations. Vous voyez qu'un sujet humain fait le vide autour de lui, à gauche. Alors qu'avec le petit robot immobilisé, il est complètement oublié. Deuxième étape du processus avec le robot, il fallait démontrer que l'on peut récupérer le signal de l'étiquette électronique placée sur l'animal. Alors on a utilisé un autre type de robot, on a amélioré au fur et à mesure. Et voilà un robot tout terrain parce que qui circule. Alors vous voyez très bien par l'attitude des manchots, là, bec ouvert, il lui donne des coups de bec au passage. Donc, et nous avons démontré avec deux antennes de chaque côté, mais il y a deux antennes circulaires de chaque côté, ce qui permet d'identifier à 50 cm, vous voyez qu'on a tout à fait à distance de lecture, les manchots qui sont de part et d'autre, et avec un GPS, ils peuvent donc être localisés. Finalement, j'ai quand même vous montré cette image d'un animal en transit. Vous voyez, grâce à cette vidéo, avant de vous montrer un robot en train de circuler dans une colonie, avec des cris de colère aussi, ils défendent leur territoire. C'est ce qu'ils font avec le robot et c'est ce qu'on va voir. Il y a du vent, donc ça... Et vous allez voir arriver le robot. Alors les individus qui n'ont pas un œuf s'écartent car eux ne défendent pas de territoire. Donc le robot va passer dans la colonie, recevoir des coups de bec, vous voyez ces robots évoluent avec les années, suivi par un jeune curieux qui va faire tout le tour avec le robot, on va le voir ressortir.
voyez. Ah non, là, il s'est retrouvé devant, mais il va le suivre à nouveau. Mais parfois, il est obligé de contourner des couveurs pour ne pas recevoir de coups de bec lui-même. Et ce petit curieux repart à la suite du robot. Alors, pourquoi au départ nous disions rover? Parce que c'est télécommandé, ce qui est le cas ici, mais on évolue, et on le verra tout à l'heure tout particulièrement, vers des robots, la définition du robot étant qu'il peut se naviguer lui-même, par lui-même, et on verra quel sera l'intérêt de cela à terme. Mais maintenant, je vais vous montrer, donc voilà, on abandonne et on va mettre la caméra directement sur le robot. Voilà, c'est parti. C'est le même robot, la même vitesse, mais évidemment, l'impression n'est pas du tout la même puisqu'on est en ras du sol. Et on voit bien le comportement de défense territoriale. Alors en fait, on passe relativement rapidement parce qu'on a remarqué, vous l'avez vu tout à l'heure, quand je vous ai montré le manchot royal qui traverse, qui se déplace dans la colonie, il s'arrête et puis fait un mouvement très rapidement. On s'est rendu compte que c'est ce qu'il faut faire avec le robot. Donc on va avec à peu près la même vitesse. Puisque l'identification peut se faire extrêmement rapidement, en une fraction de seconde, on n'a pas besoin de stationner. Et là, on risquerait de les perturber si on avait un comportement différent de celui du passage d'un animal en transit. Mais je vais vous amener maintenant à une espèce qui n'a pas de comportement territorial, pour terminer cet exposé, et qui se trouve en Terre Adélie. Donc nous allons, cette fois-ci, dans les glaces. Conformément au titre, la banquise, le robot et le manchot. C'est un spectacle extraordinaire que l'arrivée des manchots empereurs au début de l'hiver antarctique. Ils marchent sur la banquise, ils arrivent de la mer Limre vers un endroit où la banquise, la glace de mer, donc la glace hivernale, est particulièrement solide. Donc là, on est au début de sa formation. Donc oui, ils vont quand même éviter les zones. Cette glace grise est certainement beaucoup moins solide. Arrivés dans leur colonie, ils vont, en 40 jours, former des couples. La femelle va pondre. Ce n'est pas un scoop, hein, c'est la femelle qui pond. Mais le scoop, c'est que c'est le mâle qui va couver l'œuf. La totalité de l'incubation, 65 jours à peu près, va être assurée par le mâle. Et les mâles sont serrés les uns contre les autres. Pour ceux qui ont vu la marche de l'empereur, vous avez dû voir ces manchots serrés les uns contre les autres. Alors nous avons fait aussi, dans le cadre de ces travaux sur le robot, un film avec la BBC qui s'appelle Spy in the Huddle. Donc l'espion dans la, on dit tortue, pour les manchots empereurs. Vous imaginez bien que si les manchots empereurs avaient, comme le manchot royal, un comportement de défense territoriale, ils ne pourraient pas former les tortues. Or, ça n'a pas attendu de longues années. Les pionniers, donc ceux qui m'ont précédé, puisque finalement, je suis allé pour la première fois en Terre Adélie une dizaine d'années après la thèse de Jean Prévost, qui a été le premier à décrire, donc seulement une dizaine d'années plus tôt, le cycle du manchot empereur, la totalité du cycle. Et il a montré que la vitesse d'amaigrissement des manchots empereurs en tortue est réduite de moitié. Enfin, elle est réduite de moitié grâce aux tortues, par rapport à des individus qui ne peuvent pas être dans ces formations. Alors nous avons étudié ça, nous avons fait des études par ailleurs, et donc
ce comportement social est absolument déterminant. Encore une fois, il ne serait pas possible avec une défense territoriale. Et l'autre espèce, l'une des autres espèces qui n'ont pas de comportement de défense territoriale, c'est une chauve-souris qui vit dans des grottes très froides. Ce n'est pas étonnant. Et se serrent les unes contre les autres dans ces grottes, au moment de la reproduction. Ce qui réduit l'utilisation de leurs réserves corporelles. Puisque là, finalement, les mâles, au total, si vous avez fait à peu près le calcul, c'est environ 120 jours de jeûne. Et s'ils n'avaient pas la possibilité de se serrer les uns contre les autres, qui est un mécanisme tout à fait extraordinaire, nous avons montré que ce mécanisme, il est différent de celui de l'hibernation, parce qu'il permet d'abaisser le métabolisme sans baisser la température interne. Et d'ailleurs, j'avais eu la curiosité de faire lancer une thèse sur des nouveau-nés. C'est un de mes collègues, André Ancel, qui a piloté cette thèse. Et avec son étudiante, Caroline Gilbert, ils ont montré que le petit lapin, en se serrant dans le nid, permet de réduire son métabolisme en conservant sa température interne élevée. Donc, c'est un mécanisme extrêmement intéressant qui est différent de l'hibernation, parce que l'hibernation, on abaisse la dépense en abaissant la température interne. Là, on abaisse le métabolisme en se serrant les uns contre les autres grâce à ce phénomène social. Revenons au robot, mon fil conducteur. Quand nous avons amené près du manchot empereur un robot, le même robot par exemple que celui que vous avez vu tout à l'heure lors des tests d'enregistrement de la fréquence cardiaque, alors que le manchot empereur est beaucoup plus puissant que le manchot royal. Un manchot royal pèse au maximum 14-15 kilos. Le manchot empereur, lui, il est beaucoup plus grand et il pèse 40 kilos. Le mâle peut peser jusqu'à 40 kilos. Eh bien, le mâle, le manchot empereur, en voyant ce petit robot que le royal attaque, vous avez vu tout à l'heure, il recule du fait qu'il n'a pas cette distance territoriale. Il fait comme les manchots royaux que nous avons vus en bordure de la colonie, qui n'avaient pas un œuf et qui ne défendaient pas leur territoire. Nous avons quand même trouvé le moyen. Et c'est dans le cadre de ce film, Spy in the Huddle, nous avons trouvé le moyen de pouvoir approcher les manchots empereurs en camouflant. Vous voyez que c'est même très mal camouflé, en fait, puisqu'on voit les roues, avec un faux petit poussin. Et vous voyez même la tête penchée de l'adulte et du jeune. Ça signifie qu'ils essaient de communiquer par des vocalisations, de questionner le faux petit poussin pour qu'il leur envoie un chant, ce qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'on ne l'avait pas prévu. Alors, le résultat a été tout à fait étonnant puisque, et si vous regardez ce film, je me tais. Vous voyez que ce petit poussin, il peut même permettre d'étudier les crèches de poussins de manchots empereurs. Ceci dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que on ne peut utiliser ce camouflage qu'à l'époque des petits poussins. Or, moi j'aimerais que l'on arrive, alors j'espère que ce n'est pas du rêve, on va expliquer comment on essaie de résoudre ça, mais savoir identifier les manchots empereurs quand ils sont arrivés à l'extérieur de la tortue, savoir en combien de temps ils sont, en passant régulièrement, on devrait savoir en combien de temps ils sont à l'intérieur, à l'extérieur. On devrait aussi, quand ils sont
sur une grande étendue de banquise, savoir comment ils sont distribués. Est-ce que c'est par individus qui se connaissent ? Bon, il me semble, vous voyez, c'est une hypothèse, il faut toujours avoir des hypothèses, qu'à partir du moment où ils sont capables de se reconnaître entre individus d'un couple, je ne vois pas de raison pour qu'ils ne connaissent pas aussi les champs d'un voisinage. Et s'ils se retrouvent un certain nombre d'individus connus, ils vont ainsi retrouver beaucoup plus facilement leurs poussins que s'ils scannent, et la colonie peut parfois s'étendre sur des kilomètres, s'ils scannent la colonie pour trouver leurs poussins, s'ils scannent par vocalisation. Mais encore faut-il pouvoir avoir un robot qui permet tout temps, toutes conditions, et pas seulement à l'époque des petits poussins, de s'approcher, puisqu'il faut arriver à distance de lecture, pour connaître. Alors, que faire ? Le petit robot caché, qui convenait bien, caché par le petit poussin, il est également trop petit pour envisager de mettre à l'époque de l'incubation, époque qui nous intéresse également, pour mettre une batterie de taille suffisante. Les températures sont très basses. Dans certaines colonies, on a moins 50 degrés Celsius. Et on veut pouvoir faire tourner le robot. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir un robot comme dans l'industrie du cinéma. On utilise de plus en plus de faux animaux dans l'industrie du cinéma ou comme dans le film de la BBC. Si vous regardez l'équipe avec laquelle on a travaillé, John Donner, ils ont tourné avec des ours blancs, avec. Mais nous devons mettre des instruments scientifiques. Notre objectif, c'est de répondre à un questionnement scientifique. Et notamment, ça passe par une identification et une localisation. C'est la base de toute étude. Donc l'idée, c'est de construire un faux robot adulte. Et en voyant qu'ils se déplacent à tout moment de leur cycle reproducteur sur le ventre, sachant qu'il exclut de construire un robot à position verticale, il tomberait par les vents violents que nous avons, des blizzards et des vents, 100-150 km/h de vent, ou pourrait être renversé par un vrai manchot. Donc l'idée, c'est de construire un robot toboganant. Donc on s'est lancé dans ce projet de construire un faux robot. Et dès la mi-janvier 2016, on avait, le voici avant le départ, un faux manchot empereur qui était alors équipé de chenilles. Alors ce que je dois dire au passage, c'est tous ces développements ne peuvent être faits par des chercheurs, mais par des ingénieurs. Chercheur, il peut avoir l'idée. Il faut des idées, bien sûr, il faut les tester. Mais le rôle des ingénieurs devient absolument essentiel. Donc là, les deux principaux artisans de ces travaux, de ces développements technologiques, Mathieu Brucker et Julien Courtecuisse, sont l'un un électronicien, l'autre mécanicien, et c'est eux qui développent ces robots. Avec, nous avons des élèves ingénieurs qui, à travers des collaborations, qui viennent également. Ça nous a permis d'envoyer en Terra Deli, donc dès, en l'envoyant à la mi-janvier, dès le début, la fin du mois de mars, ils ont pu commencer à faire des études, des tests, les hivernants qui étaient sur place. Et donc, ces hivernants, les voici vus par le robot, par les yeux du robot, c'est-à-dire qu'il y a des GoPro, des caméras à la place des yeux. Et voici le robot dans la colonie. Alors, vous allez dire, formidable. Non. Non, ce n'est pas satisfaisant. Parce que ces individus qui sont près du robot, ces individus sont des inemployés. Les inemployés sont curieux. Et ils vont suivre le robot dans ses déplacements. Mais ce n'est pas ce que nous voulons.
Nous voulons pouvoir approcher des couveurs. Et les couveurs n'ont pas montré le même intérêt qu'avec le robot camouflé par un petit poussin. On n'a pas obtenu le même résultat. Donc on s'est posé toutes sortes de questions. Bon, d'abord, les chenilles trop bruyantes, puis ces bruits de roues, manifestement, ça ne leur convient pas. Les manchots sont habitués à des bruits qui correspondent à un glissement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Par ailleurs, là, nous avons un magnifique costume. Ce costume, il a été fabriqué par l'une des meilleures expertes de l'industrie du cinéma, une collaboratrice de Luc Besson, qui se trouve à Paris. Elle a fait un travail extraordinaire, mais c'est probablement inadéquat. Je m'en doutais un petit peu, je le craignais au départ. Pourquoi ? Les manchots, comme la plupart des oiseaux, ont une vision qui va bien au-delà de notre spectre visuel à nous. Donc, ce qui constitue pour nous un beau costume est très probablement un costume inadéquat dans le spectre ultraviolet qui fait partie de la vision des manchots empereurs. De ce fait, nous sommes lancés. Alors, c'est un énorme travail, puisque vous voyez, ces travaux ont été réalisés en 2016, nous sommes aujourd'hui en 2020, et depuis, on développe un nouveau prototype. On espère qu'il sera terminé à la fin de l'année. Donc, il va glisser pour que le bruit soit plus conforme à ce que les manchots attendent. Il y aura un système d'enregistrement ou de lecture pour pouvoir correspondre par vocalisation, puisque c'était rendu compte avec le petit poussin que c'était important. On travaille sur les mouvements des pattes, des ailerons, sachant que les ailerons vont être les antennes RFID qui nous permettront d'approcher les manchots. Et surtout, on s'est lancé dans une collaboration avec les taxidermistes de la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. J'avais déjà pu voir le travail extraordinaire qu'ils font lorsque j'avais été l'un des deux commissaires de l'exposition sur les ours. Et donc, on a ramené deux manchots empereurs trouvés intacts dans la colonie, qui sont morts. En fait, ce sont des femelles pour lesquelles l'œuf, il y en a plusieurs chaque année, s'est mis de travers lors de la ponte, et elles sont mortes. On les a retrouvées congelées, évidemment, et sont intactes. Et donc, le prochain prototype serait équipé d'un vrai plumage. Mais on se lance aussi dans une équipe avec des physiciens spécialistes des problèmes de coloration pour être sûr qu'au point de vue des couleurs, ça correspondra à ce que les manchots attendent pour se reconnaître entre individus. Donc ça pose plein de problèmes de traitement de la peau, parce qu'une peau, d'habitude, c'est fait pour être conservée dans un musée à température constante avec un certain degré d'hygrométrie. À terme, mon objectif est de revenir à un costume synthétique, mais grâce à une peau, on espère, à un vrai plumage, on espère identifier les conditions requises pour que le manchot n'effraie pas les vrais manchots dans leur colonie. Alors évidemment, tout ce travail, il est fait par toute une équipe. Céline, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est elle qui est responsable aujourd'hui du programme. Ici, cette équipe conduite par Philippe Bullet, c'est l'équipe qui a découvert la molécule antimicrobienne. Et dans notre travail, c'est une équipe du laboratoire de Jules Hoffmann. Jules a eu le prix Nobel quelques années plus tard pour ses travaux sur les molécules antimicrobiennes des insectes. Julien, on l'a vu tout à l'heure, Julien et Mathieu sont les acteurs de ce développement technique et technologique. Clément Cornec, c'est le biologiste qui était sur place pour les tests.
André, Caroline, je les ai cités tout à l'heure, c'est les travaux sur l'abaissement du métabolisme dans la tortue de Manchot Empereur. Et Claire, dans le cadre de sa thèse, a réalisé donc ce travail, a rédigé ce papier de Nature où on a montré l'impact des bagues sur la reproduction et la survie des manchots. Alors, ce n'est pas gagné. Je ne fais aucun pronostic. On essaie de se donner toutes les chances pour arriver à tromper les manchots et pouvoir les approcher suffisamment près pour les identifier électroniquement et les localiser, la base de toute étude. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Bonjour, merci pour votre conférence. Ma question concerne les femelles. Que font-elles quand les mâles couvent ? Alors, votre question, c'est probablement pour les empereurs. Oui. Oui, parce que pour les royaux, vous avez compris que mâles et femelles alternent. Les femelles sont tout simplement, après la ponte, partent en mer. Et il y a d'abord une assez grande distance de banquise à franchir. La mer libre peut être à 200 km éventuellement. Donc ça prend du temps pour des animaux qui marchent à 1 ou 2 km/h. Et elles reviennent, généralement, semble-t-il, après l'éclosion. Il est probablement impossible physiologiquement, avec une molécule de conservation, parce que je m'attends à ce que les empereurs aient les mêmes molécules que les royaux, mais il est probablement impossible de garder une telle quantité de poissons une quantité de poissons quelle qu'elle soit, sur une telle durée. Et donc ce qui se passe, c'est que chez le manchot empereur, ce sont des cellules de l'estomac qui se mettent à sécréter un liquide encore plus riche que le lait de pigeon, puisque le pigeon produit aussi un lait pour nourrir sa progéniture, et ce qui permet de tenir quelques jours le temps que la femelle revienne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour le manchot empereur, ma question c'est, est-ce que les femelles et les mâles, ils ont la même taille? Parce qu'après, vous avez dit que... Je vois très bien où vous voulez en venir, vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut espérer, c'est que le fait qu'on utilise des plumages de femelles, bon, ce sont des espèces strictement protégées, vous en doutez, on n'a même pas le droit d'attraper un manchot empereur adulte dans la législation des terres australes antarctiques françaises. Et donc... on n'a que cette seule possibilité d'un animal. Alors, si un jour on trouve un mâle mort, ça peut arriver. Ça peut arriver à un animal qui arrive, ça ne sera pas évidemment lors d'une ponte qui tourne mal, mais un mâle qui a été blessé par un léopard de mer ou par une orque, dont il faudra peut-être réparer un peu le plumage, mais vous avez raison. Il faut espérer que ça n'aura pas de conséquences au point de vue, par exemple, des colorations. Oui. Bonjour et merci de cette conférence. J'avais une question, c'est sur la collecte des fragments d'estomac qui vous a permis de déceler la molécule. Comment est-ce qu'elle a été réalisée, cette collecte ? Alors, c'est un de mes jeunes collègues, ancien étudiant, aujourd'hui qui est un senior, hein, qui a mis au point ce système, Ivan Drich. Il s'agit en fait, vous savez où est l'individu, donc il faut l'avoir localisé, bien sûr, vous savez où est l'individu que vous suivez régulièrement pour lui prélever des échantillons de son estomac. Vous allez dans sa direction, mais sans le regarder, et vous passez à proximité de lui en le dépassant.
donc il ne faut pas le regarder. Et le fait que vous passiez à proximité fait, en général, on prend des animaux qui sont en bordure de la colonie pour ne pas rentrer, évidemment, au centre d'une colonie. En général, ce qui se passe, c'est que vous avez des petits voisins qui vont en profiter pour essayer, ils se chamaillent pour récupérer un petit peu de terrain. Donc, ça les occupe. Le fait que vous ne le regardiez pas, il ne va pas s'inquiéter, de telle manière que vous arrivez derrière lui, et avec un sac, on utilise des sacs postaux, par exemple, vous lui couvrez les yeux, la tête. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est évidemment quelque chose qui ne marcherait pas avec des primates, qui comprendraient tout de suite. L'animal, apparemment, ne fait pas d'association entre l'homme et ne comprend pas ce qui s'est passé. Et on peut donc, à ce moment-là, et ce qu'a mis au point Yves, c'est de mettre un grillage qui va entourer, qui va correspondre à l'endroit qu'occupait ce manchot, car évidemment, on ne va pas retirer des échantillons, on ne va pas prélever des échantillons d'estomac dans la colonie. La perturbation des autres individus serait très grande. Donc, on prend l'œuf, on le met dans un seau, on recouvre pour qu'il soit au chaud, et puis on retire. Toujours, surtout avec la tête bien couverte, on retire le manchot de la colonie et puis en dehors de la colonie, on va introduire un tube dans son estomac, mais en masquant toujours ses yeux. Pour le remettre, on va, comme on avait fait, l'attraper par les ailerons par derrière, donc on n'est pas en face de lui. Puis alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'œuf, il est à l'intérieur de son grillage, hein, circulaire, on va mettre l'œuf sur ses pattes. Et un manchot royal, quand il récupère un œuf, c'est pareil lors d'un échange d'œufs entre conjoints, il va aussitôt se pencher pour le remettre bien positionné. On retire à ce moment-là rapidement le sac postal. Il est tellement occupé, et puis surtout, comme on a retiré également rapidement, il faut être plusieurs, on est deux au moins, on a retiré le grillage, il y a des petits voisins qui vont en profiter pour essayer de récupérer un morceau de terrain. Donc, entre l'œuf à repositionner et puis les voisins qui essaient de profiter de l'occasion, il est bien occupé et ne s'occupe pas de l'homme, des deux hommes qui sont derrière lui et qui, à reculons, vont partir de l'endroit de la colonie. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Sans cette petite méthode, il aurait été impossible de découvrir cette molécule. Est-ce qu'il y a une anesthésie pour mettre les tuyaux dans... Qu'est-ce que ça se passe? Non, parce que en fait, pour eux, c'est pas tellement un problème de... Ils passent leur temps à régurgiter. Ils vont régurgiter. Ils peuvent régurgiter un calmar de plusieurs centaines de grammes, vous voyez. Et donc, ça ne semble pas leur poser de problème. Et donc, on ne peut pas les anesthésier parce qu'ensuite, il y aurait le temps de récupération avec des conséquences pour l'animal, certainement. Ouais. Donc, on n'a pas eu besoin de développer. On le fait pour d'autres choses, l'anesthésie, mais là, non, non. Pardon ? Il se laisse faire, il se rébelle. Oui, il n'y a pas de difficulté, mais alors surtout, et on a eu 100% de réussite sur les individus, il a fallu un nombre d'individus suffisant, c'était au moins une dizaine d'individus, il n'y a eu aucun échec. Alors que, par exemple, un photographe maladroit s'approchant trop près peut provoquer l'abandon d'un couveur. La même chose sous les mêmes individus plusieurs fois. C'est ça. Et se laisse faire ? Il se laisse faire. Il se laisse faire. Et combien de fois pour chaque individu ? Alors, on le voyait sur, je crois que c'était trois ou quatre fois. Trois ou quatre fois, et on remet la nourriture. On a besoin, vous savez, quand on fait une étude comme celle-là, de quelques milligrammes. Donc, on ne conserve qu'une toute petite fraction. Pardon ?
La nourriture, elle s'accroche au tube. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Tout à fait. C'est les... Il régurgite, en fait. C'est-à-dire qu'on... Ce qui a fait que cette étude était possible, c'est aussi que la vie de ces animaux, c'est d'avaler en mer et de régurgiter à leurs poussins. Et je pense qu'avec un autre animal, on n'aurait pas réussi cette étude de la même façon. Oui. Bonsoir. Quelle est la durée de vie des manchots royaux ou bien empereurs? Et puis, est-ce qu'ils meurent dans la colonie ou bien est-ce qu'ils vont ailleurs pour mourir? Ou est-ce que vous les retrouvez dans la colonie? Alors, on ne retrouve pas d'animaux dont on pourrait dire qu'ils sont morts de vieillesse dans la colonie. Leur vie, je crois, est tellement elle est difficile en mer. Ils vont à des centaines de kilomètres. Donc, je pense que... La dernière partie de leur vie doit consister à des tentatives de reproduction qui échouent, probablement, parce qu'ils sont trop vieux, et puis ils disparaissent en mer. Probablement dévorés par des prédateurs. Probablement par des orques ou des léopards de mer. Oui. Oui. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait vraiment une proportion exacte entre les mâles et les femelles. Est-ce qu'il y a des femelles qui sont seules ou quoi? Alors d'abord, je vais répondre à la longévité, parce que je n'ai pas fini de répondre. En fait, à partir du moment où notre équipe a montré qu'il y avait un fort impact des bagues, toutes les données qui avaient été obtenues auparavant sont à reconsidérer. Et à mon avis, fausses. Donc actuellement, c'est pour ça qu'on a ce suivi, notamment, toujours en cours, pour déterminer. Mais vous voyez, on a commencé ce suivi en 1998. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour pouvoir définir une longévité. Votre autre élément de question, c'était, pardon ? C'était la proportion. Est-ce qu'il y avait une grosse égalité entre les mâles et les femelles ? Alors, il semble, mais ça, c'était d'après les bagages. Les bagages avaient suggéré que chez les manchots empereurs, il y a plus de femelles que de mâles. Maintenant, alors, ça avait été attribué... en fait, à la durée du jeûne des mâles, etc. Mais à partir du moment où c'était des individus bagués, donc des individus dont nous savons aujourd'hui qu'ils étaient impactés par la bague, est-ce qu'à partir du moment où les mâles avaient des conditions de vie plus dures et étaient susceptibles d'être davantage impactés par les bagues, c'est aussi une étude à refaire. Et je pense que là, on saura avec le transpondage à grande échelle. Alors, vous allez me dire, mais vous n'avez pas le droit d'attraper des adultes, effectivement. Nous avons le droit d'attraper des poussins. Et quand on attrape les poussins, ils ne montrent pas la même peur qu'un adulte attrapé. Autrefois, ça s'est fait, et nous avons des collègues qui le font. Par exemple, les régulations ne sont pas forcément les mêmes entre les différents pays. Nos collègues américains sont autorisés à capturer des manchots empereurs adultes. Et un adulte s'en souvient, est stressé, on le voit, un ou deux ans plus tard, il montre des signes, alors que le poussin, on est même obligé de mettre des numéros pour être sûr qu'on ne l'a pas attrapé auparavant, pour lui mettre un transpondeur. Or, puisque nous voulons une longévité, il faut partir du stade du poussin. Donc, pas de problème de ce côté. Vous avez une question de votre côté ? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi le robot que vous avez déguisé en poussin n'a pas eu les mêmes problèmes que le robot déguisé en adulte pour, Alors déjà, vous avez dû être frappé vous-même par le fait que le poussin, il est gris, noir, ce qui est beaucoup plus facile à reproduire. Et...
Donc actuellement, nous lançons une collaboration avec des experts des couleurs au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors eux le font dans un cadre de conservation, parce que l'objet, c'est d'ailleurs l'unité de recherche sur la conservation du Muséum d'Histoire Naturelle. Ils sont concernés par la conservation des couleurs. Vous savez qu'ils ont des animaux en taxidermie montés, hein, on appelle ça montée absolument extraordinaire, un des derniers loups de Tasmanie, enfin tous ces animaux. Donc, avec le temps, parfois des animaux qu'ils ont depuis plusieurs centaines d'années se posent des problèmes de conservation des couleurs, donc c'est leur spécialité. À partir du moment où on veut utiliser, au moins dans un premier temps, pour comprendre ce qui se passe, un vrai plumage, il va y avoir des problèmes de conservation. Mais il faut aussi le faire dans un autre contexte qui est celui de la vision. Et il y a des spécialistes également de la vision des oiseaux, CNRS, avec lesquels on va travailler. Notre travail, il permet aussi, il permet pas à pas d'augmenter notre connaissance dans ce monde qui est celui de la reconnaissance individuelle, reconnaissance espèce, puisque, vous l'avez vu, par notre tâtonnement, on va pouvoir montrer que ce qui n'était pas connu, tel ou tel aspect essentiel et l'autre pas. Nous espérons qu'il n'y a pas d'autres hypothèses pour l'instant à considérer que celles qui nous ont amenés à construire le nouveau prototype dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc j'avais une autre question par rapport aux puces des manchots empereurs. Comment est-ce que vous faites pour les lire? Parce que si j'ai bien compris, la différence c'est que les manchots empereurs, ils vont pas forcément aller aux mêmes endroits à chaque année, non? Absolument. Vous avez tout à fait raison également sur ce point. Et c'est ce qui fait que nous mettons tous nos moyens dans la détermination, dans le développement de ce robot qui est une antenne mobile. C'est la clé. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On met sur des zones de passage. Mais ils passent parfois 2 mètres à côté. Puisqu'ils peuvent... Il n'y a pas, si vous voulez, de territoire parfaitement défini sur la banquise, comme c'est le cas pour les manchots royaux, qui ont leur secteur, qu'ils défendent. Et je vous assure qu'ils volent des endroits particuliers, parce qu'on le voit, par exemple, ça a été étudié par certains de nos collègues à Kerguelen. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous voyez des individus qui, les mauvaises années, c'est beaucoup plus échelonné. L'arrivée pour la reproduction, tout simplement parce que en année de très mauvaises ressources en mer, seuls les individus les plus performants arriveront au tout début de la période de reproduction. Les autres vont être retardés, arriver, échelonnés les uns après les autres. Eh bien, vous voyez, certains individus allaient au milieu de nulle part, parce qu'ils veulent absolument aller à cet endroit-là, et ils sont l'objet d'une prédation, parce que les squats, les pétrels vont évidemment s'intéresser à cet individu complètement isolé, mais qui se tiennent à un endroit. Alors que le manchot empereur, c'est une étendue de banquise. Ils vont utiliser l'espace socialement au moment où ils vont se serrer les uns contre les autres en hiver pour réduire leur vitesse d'amaigrissement, enfin ce qui va permettre de réduire leur vitesse d'amaigrissement. Mais à la fin, par exemple, du cycle reproducteur, la colonie pourra être étalée sur plusieurs kilomètres. D'où l'idée d'un engin mobile. Vous voyez, on retombe sans arrêt sur la nécessité, mais vous avez vu, rien n'est gagné. Merci. Sur une image, plutôt, on a vu quelques individus qui étaient un peu différents, marron, il me semble. Qui était... brun, Pardon. Il y avait quelques individus plutôt qui étaient un peu différents, marron et plus pelucheux peut-être. C'est quoi des poussins. Ce sont des poussins. Des poussins parce que, oui, je comprends votre surprise, mais s'explique très bien parce que
le manchot royal a un cycle qui dure plus d'un an. Il faut plus d'un an pour élever un poussin. Donc, et pourquoi ? Pourquoi il faut plus d'un an alors qu'un manchot empereur élève son poussin en 8-9 mois ? Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Le manchot empereur se reproduit sur la banquise. 8 ou 9 mois plus tard, il n'y a plus de banquise. C'est un poussin miniature qui part en mer. Enfin, un adulte miniature, pardon. Son poussin va terminer sa croissance, va prendre un plumage, alors qu'il ne pèse même pas la moitié du poids de l'adulte. Le manchot royal, c'est une stratégie différente. Il n'y a pas la banquise, il est sur une plage. Mais la difficulté, c'est que dans la zone subantarctique, il n'y a plus de ressources durant l'hiver à partir du début du mois de mai. Et les ressources seront à nouveau disponibles, celles qu'ils allaient chercher à 400 ou 500 km. Elles ne sont plus disponibles. Donc, que font les manchots royaux ? Ils abandonnent leurs poussins au début du mois de mai et ils vont à 1500 km le long des côtes du continent antarctique. C'est-à-dire que le manchot royal va devenir un manchot antarctique et ne reviendra qu'au cours du nouvel été pour achever la croissance de son poussin. Donc, durant cet hiver-là, abandonné, le poussin va maigrir. Il faut avoir des poussins qui passent de 12 kg à 3 ou 4 kg seulement. Ils vont jeûner des mois, comme un manchot empereur. Et ils vont reprendre leur croissance l'été suivant. Pour vous donner une idée en termes d'espace, c'est comme si la latitude de Crozet, c'est l'équivalent de La Rochelle. C'est comme si nous avions des oiseaux abandonnant leurs poussins sur une plage des environs de La Rochelle et qui allaient chercher leur nourriture au nord de la Norvège, en termes de voyage. Et il faut revenir ensuite. Et ensuite reprend le cycle normal qui permet d'achever l'élevage. C'est l'équivalent d'un tel voyage. Merci pour votre exposé. Du coup, vous évoquiez un peu le pilotage des robots. Du coup, comment est-ce que vous pouvez les piloter sans être présent sur place pour voir un petit peu où est-ce qu'ils vont et rentrer dans les... Ah non, pour le manchot royal, nous sommes présents. Pour le manchot empereur aussi, non. Pourquoi devra-t-il naviguer ? C'est ça la question. Uniquement dans certains cas. C'est-à-dire quand vous êtes sur la banquise, sur la glace de mer avec le manchot empereur, que vous voulez faire le tour de la tortue, à un moment donné, vous ne verrez plus parce qu'il sera de l'autre côté de la tortue et c'est là où on veut qu'il navigue par lui-même en suivant à 50 cm les animaux les plus proches. Mais ensuite, il va revenir en vue et on reprend la télécommande. Vous arrivez à être présent des tortues, même si elles sont au milieu de la banquise. Disons que là, pourquoi par exemple la marche de l'empereur ou le film de la BBC que nous avons fait avec l'équipe de John Donner ont été réalisés en Terre Adélie ? Parce que nous avons un atout énorme que n'ont pas les autres pays, la colonie de manchots empereurs de Terre Adélie se trouve à proximité immédiate de la base. Du Mont d'Urville. Vous pouvez revenir à la base le midi, déjeuner à la base, prendre votre café, parfois en voyant la colonie par la fenêtre. Et c'est des conditions. C'est ce qui explique que la plus grande partie de nos connaissances sur les manchots empereurs ont été acquises en Terre Adélie, dans cette colonie. J'ai répondu à votre question pour la navigation. Pardon, je voudrais savoir comment les manchots royaux, puis aussi les manchots empereurs, font pour se diriger sur la banquise. Quel système ils utilisent, parce que ça semble un peu évident, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein, faut dire. Non, il n'y a pas beaucoup d'arbres. On ne sait pas très bien. Je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a des limites dans nos connaissances.
Ce que nous savons, et ça a été fait sur d'autres manchots, c'est que lorsque, il y a de nombreuses années, des manchots ont été emmenés vers une base à l'époque soviétique, je crois, et sont retournés à leur colonie près de la base américaine, ou l'inverse, et ils ont été suivis pour voir, avoir une idée comment ils se dirigeaient, et visiblement, ils se dirigeaient beaucoup mieux lorsque le soleil était visible. En l'occurrence, c'est des petits manchots qui se reproduisent en été. Bon, ça serait peut-être déjà plus compliqué pour les manchots empereurs qui se reproduisent durant la nuit polaire, encore qu'il y a en Terre Adélie une ou deux heures de jour. Ce n'est pas vrai pour d'autres colonies de manchots empereurs. Donc, on ne sait pas grand-chose. Donc j'avais une autre question, c'est pourquoi ne pas utiliser des drones plutôt que des robots terrestres ? Pensez bien qu'on y a pensé. Je pense d'abord qu'on n'aurait pas l'autorisation, mais ce n'est pas la seule raison. On n'aurait pas l'autorisation parce que si le drone tombe sur la colonie des manchots empereurs, vous imaginez, en plus, beaucoup de vent. Aussi bien, tout à l'heure, vous l'avez entendu dans le micro pour Kerguelen. Et c'était pas, on ne fait pas nos travaux lorsque les conditions de vent sont les plus extrêmes. Hein, ça peut être beaucoup plus que ça. La raison principale, tout de même, c'est le drone va convenir, j'ai des collègues qui le font, pour de très haut faire des photographies de colonies. Si vous voulez être à distance de lecture en radiofréquence, car, encore une fois, nous cherchons à localiser des individus. D'abord, il faudrait un drone qui ait des appareils d'enregistrement et qui soit à moins de 50 cm au-dessus de la colonie. J'étais témoin, il y a quelques années, d'un des collègues de la base qui testait un cerf-volant. Le cerf-volant, à cause des vents, parce qu'il y a beaucoup de vent, est parti au-dessus de la colonie de manchots empereurs, panique. En fait, les prédateurs sont aériens. Donc, vous voyez la complexité. Comment faire une lecture RFID ? Il faut pouvoir être stationnaire. Donc, il faudrait un hélicoptère au-dessus à 50 cm. Non, ce n'est pas envisageable. Par contre, c'est envisageable pour des photos aériennes, dénombrement de colonies, oui. À haute altitude, pour ne pas les effrayer. Est-ce que vous auriez encore une petite dernière question ? Oui. Alors, ma question, c'est plus sur la géolocalisation. Enfin, oui. Comment les localiser quand ils sont plus sur la banquise et qu'ils partent en mer ? Est-ce que vous avez une technique ? Parce que je sais que ça se fait pour des animaux peut-être qui sont plus gros, comme des baleines ou qui ont des, enfin les baleines je sais pas, mais qui ont des gros émetteurs et on peut suivre leur déplacement. Est-ce que ça c'est possible sur les... Oui, non, mais ça a été fait. Ça a été fait, c'est-à-dire nous avons été les premiers, par exemple, à suivre les manchots empereurs et ça date du début des années 2000, je crois. Je me souviens plus très bien, et on avait publié dans Nature le déplacement des manchots empereurs de la colonie de Terre Adélie, et on avait déterminé qu'ils, en les suivant par le système Argos, mais c'est gros, et donc on retire l'appareil lorsqu'ils reviennent, sinon il est perdu au cours de la mue. Mais ça nous a permis, avec un appareil, mais là, qui pèse environ 200 grammes, vous voyez, on est dans une problématique complètement différente. On est dans une problématique d'un instrument qui va être utilisé de manière temporaire, pour un temps limité, qui va nous permettre de savoir que l'animal, eh bien, en l'occurrence, on avait appris qu'ils vont à 130 ou 150 km, et ils ne vont pas jusqu'à la mer libre. Ils trouvent des étendues ouvertes. On appelle ça des polynies dans la glace de mer.
et il s'alimente dans ses polynies. C'est ce qu'on avait montré dans ce travail. Ah non. Si j'ai bien compris, ce n'est pas possible d'utiliser ça une fois qu'ils sont dans les colonies, dans les tortues, c'est ça? Parce que ça va tomber avec la mue. Alors, on pourrait peut-être aujourd'hui... Le problème du système Argos, c'est qu'il est fait pour ce type d'étude. Il est fait pour suivre un animal sur de très très grandes distances. Une cigogne en migration, par exemple. On va la suivre avec le système Argos. On n'a pas la précision suffisante, par contre, pour des déplacements. Là, on pourrait le faire par VHF. Enfin, il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'attraper des adultes. Donc, l'affaire est réglée. D'où l'idée, grâce à la localisation individuelle, d'individus qui auront été transpondés avec une étiquette RFID à l'époque où ils étaient poussins, une fois devenus adultes. Si on arrive à approcher le robot, vous avez compris que ce n'est pas gagné, suffisamment près, là, on pourra vraiment apprendre beaucoup de choses sur l'interaction entre les individus, etc. Par exemple, ce que ça devrait permettre de faire, c'est déterminer si un champ est stable dans le temps. Parce qu'à la limite, on pourrait très bien envisager d'utiliser le champ. S'il est stable dans le temps, on pourrait l'utiliser pour identifier les manchots, comme ils le font entre eux. Mais pour ça, il faut passer par la case étiquette électronique qui va nous permettre d'apprendre que l'animal a un champ stable dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on ne peut plus prendre un adulte? Ah, c'est le capturer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une diminution importante de moitié de la colonie. Et en fait, il semblerait qu'il y ait eu une émigration vers une autre colonie. Donc ça fait peur aux autorités. Et à part de cette diminution, quelle en était la raison? Est-ce que c'était des manipulations qui ont été excessives et que du coup... voyez. Donc, voilà pourquoi aussi, nous, on essaie de développer des techniques qui ne perturbent pas pour étudier ces animaux. Merci. Merci à tous pour vos questions. Merci beaucoup, Yvon Lemao, pour votre intervention. Je vous propose de se retrouver jeudi prochain pour la conférence sur les robots sur la Lune. Merci et bonne soirée à tous.